nous et nous avons toute entité qui a aidé nous pour nous permettre que Pétionville. Parce que actuellement, c'est seulement Pétionville qui gagne activité la dernière. Il faut que nous avons pour nous permettre que nous capables de prendre plaisir. Parce que fin d'année, c'est le moment que nous sommes capables de jeter un peu de stress. Nous passons tout en temps à stresser. Et si pendant fin d'année, nous n'avons pas qu'à un programme, nous n'avons pas qu'à un bal, nous n'avons pas qu'à l'église, nous n'avons pas trop frustré. Et ça fait, recommandons la police, le directeur général de la police, là, et avec tout le système hiérarchique de la police, là, ils font nous confiance et au même tout, ils permettent que nous jouions accessibilité à une série de bagages que nous avons besoin pour nous avoir une sécurité. Et ça fait, nous avons un plan de sécurité que nous avons expérimenté là. Ce n'est pas nous faire, mais c'est le DDO qui fait lui et le soumettre l'approbation du directeur général là, les mêmes qui nous et nous avons exécuté le plan ça. Donc, on a des gens qui ont 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 des gens sécurité, c'est tout en mise en place. C'est-à-dire que avec un monde qui est dans le quartier populaire, que nous-mêmes nous avons un bon rapport avec eux, ça a déterminé aussitôt que nous avons réalisé ou nous avons fait, nous-mêmes nous là pour nous appuyer et nous-mêmes tout là pour appuyer nous. Jalousie, la jalousie, zone populaire, zone d'arrêt, toujours gagné possibilité qu'a produit, mais il y a plus accessibilité et dans zone ça il y a monde capable plus vaquer dans zone ça parce que la police pas dormi comme j'ai toujours dit et moi-même et m'a mettre principe la police en application mais c'est sous l'éternel force moyen c'est sous l'éternel que appuyer c'est lui même qui a ban moi ça qui relé et bon comprendre pour me capable faire travail que lui même veut faire. Je suis à finaliser non monsieur de semaine ami à des capable et je suis capable dire criminalité de Pétionville aussi bas. Vu les statistiques antérieures, c'est la première année que la criminalité de Pétionville aussi bas. Et il y a plusieurs personnes vraiment qui mourent pendant l'année, mais peut-être c'est dans l'échange de tir avec l'autorité, avec la police, et que ont mouru. Mais ce n'est pas un coup. Il y a une forme d'agression que nous avons fait à tuer les gens de Pétionville, parce que nous avons un système qui a marché bien. Je dis à tout le monde de Pétionville, fait partie du système de sécurité de Pétionville là. Gagner un accès aux informations. Moun yo connaît ça après dans commissariat, moi-même mal joigne pour connaître ça après dans quartier à Bola Kayo. Il y a une forme de rapprochement qui existait entre la police de Pétionville et la population. C'est ça que fait depuis des inconnus commencer rentrer dans la ville là, ou après même dans quartier populaire, gagne moun qui vinn dou, yo gagne baï k'ap passer là, moun ça yo pas fond ouais, yo pas connait dans ville dans zone là. Et c'est ça que fait nous dit tout bandi k'ap chercher cachette pour cacher. Pétionville sont très mauvais endroit pour chercher côté pour cacher parce que moun Pétionville pas dormi. Non, occasion très dernière là et Pétionville bien pile activité cap de très bien parce que des périodes de manifestation parce que capable et mettez nous en confiance monter Pétionville des centres de soutien sur des centres de sécurité. Moi, je vous donne toute garantie. L'État prend toute disposition. La police, dans son ensemble, prend toute disposition pour fête de fin d'année passer bien. Nous invitons les gens à sortir, prendre la rue. Pas quitter les gens qui ont peur. Les gens qui sont dans le pays étranger, nous invitons à rentrer. Venez fêter dans Pétionville. Venez dans le club New York. Venez dans New York. Venez parce que la police est prête. La police a accompagné. La police a sécurisé. Et vous méritez ça. Peuple haïtien, nous méritons ça. N'attendons parce que nous avons besoin que fête d'année, c'est une belle bagaille. Nous avons que année ça, nous avons plus de monde qui prend la rue encore, plus que l'année dernière. Parce que l'année dernière, nous sommes tous les 2h du matin, il y a un gros blocus dans Pétionville, tellement de monde qui participe dans le programme. Année ça encore, nous prenons disposition et nous avons l'année passée, nous corrigeons pendant l'année ça, c'est que nous avons plus de sécurité toujours. Prends la rue, viens fêter, n'attendons. Donc, un message d'occasion. Pour tout le monde, pour tout le pays, et tout le monde qui a été déterminé, qui a rien à connaître, qui savait comment la faire. Message pour tout le monde, c'est que la police, ça, c'est pas. C'est comme taxe qui paye et c'est deux voiles pour la sécurité. Mettez ensemble avec nous, parce que les empiles, j'ai
bouche parler, insécurité à pas qu'à camper. Le slogan pour nous faire la déla, j'ai ouais, bouche parler. Des pour ouais, parler, relais nous. Dans 38-31-11-11, dans 38-32-11-11, dans 36-48-05-50, dans 38-38-11-11, et le ça, des pour ouais, on va qui pas normal dans le quartier là, relais. Parce que ces informations au bras bail là c'est les cabres nous safe la caillou si ou papa ou peut ou pas bail information nous pas qu'à dépister gangio dans zone côté à fonctionner pour la caillou moi espérer que tout le monde a participé faire pays nous en tout nos pays qui safe et qui sont en source d'insécurité pour les bandits mais en source de sécurité pour les paisibles citoyens ces paroles ça moi lancer bail toute population quitte ou à l'extérieur de pays quitte ou en un pays à vin fêter fête l'année à vin fêter avec nous 24 décembre n'a pas tout programme yo n'a pas full policier dans tout programme dans tout hôtel yo tout restaurant yo ou avec une full sécurité vini n'a pas tant. Et jusqu'à présent cap bien fonctionné le premier jour fort ça et m'espérer que et parce que son fort cap duré et près de 4 jours et commencé jeudi à c'est du 20 au 23 m'espérer que tout artiste soit capable son bon Noël avec fort ça que le gouvernement avec le ministère du commerce et de l'industrie mettait sous pied. Bon, li c'est un bon promotion lié pour artisio puis yo capable montrer œuvre et de là puis yo capable vendre la œuvre ça autour. Moi même c'est un artisan, me fait des tableaux en peau de chèvre. Mais dernièrement là, j'ai un gros problème parce que ouais que production là tijan mec là parce que pas joindre dernier problème qui était dans pays tijan dérangé en ce qui concerne produits pour me ta gain gain prêt pour me ta participer avec une production beaucoup plus grande. Donc vous satisfait de soirée ça? Jusqu'à présent, même si je n'ai pas fait un vente vraiment, même satisfait parce que moi j'ai des confrères là qui peuvent fonctionner assez bien. Moi, je m'attends tout pas maintenant. Pour le premier jour, nous faisons un dégagement quand même. Est-ce que vous sentez la positive? Oui, le positif, oui, bon côté. Le positif. Bon, l'autre jour, on a souhaité plus pour nous venir et puis plus la vente et puis pour encourager nous plus, nous-mêmes artisans. Nous, là, avec un sentiment d'enthousiasme parce que, étant que chambre de métier avec artisanat, c'est toujours un plaisir pour nous pour nous accompagner artisans. Pour ce que nous présentons aujourd'hui, hein, nous avons deux compagnies avec nous qui s'est gardé ça, qui fait des sacs à main. Des porte-documents avec perlage, des sacs perlés et pailletés que nous sommes capables de voir à droite moi là et des produits similaires qui sont faits avec paillettes et puis perles. Et puis sur le bord gauche, moi, j'ai Neo Fashion qui fait encore des produits que nous sommes capables d'utiliser des sacs à main qui sont accompagnés de colliers, de boucles d'oreilles qui fait totalement, nous sommes capables de dire avec propre imagination par eux et c'est des produits que les Haïtiens font que y a bon dans le pays. Nous
travailler ensemble pour nous valoriser les métiers. Si on est dans la société, il y a des petits préjugés sur les métiers, on voit de météo sous côté, etc. Or, les métiers bien organisés, bien formés, c'est l'objectif pour créer emploi, pour créer et pour rendre plus de monde en mesure de gagner leur vie dignement. Donc, l'institution SAA travaille avec des moyens et très limités, mais nous croyons là-dedans et nous travaillons toujours. Nous comptons que le ministère en fait chose ça, qui permet que nous présenter certains produits. Ou regarder là à travers salle où est des activités, des produits qui ont des valeurs ajoutées extraordinaires. Et nous pensons que en dehors de show tel que je dis, hein, faut que nous chita avec le ministère, hein, faut que nous chita avec institutions de formation yo, pour nous travailler, pour nous améliorer le savoir-faire, améliorer la qualité de journée jeudien. C'est une première activité que le ministère du Commerce a organisée, foire là, qui c'est la foire au cadeau, côté que nous avons donné la possibilité à tout le monde, premièrement, pour venir garder les produits qui fait la caille nous, de belles bagailles avec un pile finition. Bon, c'est que c'est des œuvres que tout le monde doit venir et puis venir acheter pour nous encourager production. Tu sais, tout ça qui a fait dans le pays. Parce que bon, bonne bagaille qui a fait malheureusement que monde pas connaît. Moi-même, je dis à découvrir où est ce bel salon, ça nous chita, il fait dans la caille nous. On a gardé de belles pièces, de beaux sacs, belles peintes produits. Moi-même, parce que ça vaut le coup pour le ministère là, te montrer au niveau de commercialisation qui ça que nous sommes capables de proposer à la population hein, pour y ouais, parce que c'est une journée de porte ouverte. C'est en même temps pour nous, il y a un pile cadeau capable de chercher, venir offrir cadeau à parents, à amis, à ménageurs, à madame. Yo. Donc voilà que ça que le ministère a proposé, c'est pendant 3 jours. Donc nous attendons Mounio, c'est jusqu'au dimanche. Donc nous attendons tout le monde en grand. Que nous fait et je dis de plus en plus en termes de vraiment de formalisation en termes de standardisation ils ont commencé à travailler bien et si nous mêmes nous encourager ils sont capables d'aller connaître vers l'extérieur pour aller proposer pour je dis à nous qui problème pays a un problème de devise c'est parce que nous pas produit suffisamment nous pas vendre à l'extérieur donc voilà des bagages que nous pas vendre à l'extérieur qui capable rapporter nos devises pour nous sortir dans la situation pays aujourd'hui. L'objectif de poursuivre, c'est d'abord parce qu'on connaît que l'artisanat, en quelque sorte, c'est industrie. C'est industrie d'une part parce que il y a des gens qui produisent des choses en quantité et puis il y a des gens qui ont un atelier, donc c'est la petite industrie. Maintenant, c'est le commerce parce que les gens vendent, achètent, touchent, échangent. Donc pour nous, c'est commerce et industrie à la fois. Donc nous voulions assumer, en tant que ministère du commerce et de l'industrie, une partie de ce qui se fait dans l'artisanat. Nous laissons le côté artistique pour, et le côté culturel pour les autres ministères concernés, mais nous autres, nous nous approprions du côté IP à se procurer des cadeaux strictement et exclusivement haïtiens. Tout ce qui est ici est fait, conçu, fabriqué en Haïti. C'est une façon d'abord d'encourager l'industrie nationale, et puis ensuite, c'est une façon d'encourager la petite industrie et permettre aussi à l'occasion des fêtes de fin d'année un peu de circulation d'argent au niveau de ces personnes-là qui font de si belles choses. On est pratiquement à la fin de l'année. Quel message vous voulez lancer à la population? Bon, je voudrais souhaiter une heureuse année à toute la population et puis leur dire qu'il y a de l'espoir. Quand on voit ces artisans, moi je les appelle aussi des industriels, faire de si beaux travaux, de si belles pièces, des choses tellement bien conçues. Et on se dit qu'il y a de l'espoir dans ce pays et je prends plaisir à souhaiter à tout le monde une année prospère. Une année prospère, une année dans le travail, une année fructueuse à partir de ce qu'on aura fait pour gagner honorablement sa vie. Merci à vous.
moment de détente et de relaxation est pour nous une opportunité de se retrouver pour se familiariser davantage et partager les moments du bon vieux temps. Est-ce pourquoi nous saluons favorablement cette initiative et nous encourageons la direction générale à l'étendre sur tout le territoire national afin que tous les pensionnés, sans distinction aucune, puissent en bénéficier. C'est aussi une agréable occasion pour remercier la nouvelle administration de l'ONA sous le leadership de Mercé à traiter adéquatement les pensionnés avec la construction du nouveau bâtiment dont une grande partie est réservée au service de pension et au service de la caisse fréquenté souvent par les pensionnés du troisième âge. Pour répondre à sa mission principale, qui est de procurer une vie décente et d'améliorer les conditions d'existence de ses pensionnés, l'on a ce droit de développer des stratégies afin de leur permettre de vivre le troisième âge dans la dignité. Depuis qu'ils ont arrêté de travailler, la majorité des pensionnés restent à la maison et ne font rien de particulier, sinon visiter les gens de leur quartier et s'attarder chez certains d'entre eux pour jouer soit aux cartes ou aux dominos et blaguer en même temps. Alors, il se trouve que c'est un peu monotone. Étant seul, il leur arrive souvent, trop souvent même, de s'ennuyer à en mourir. Chers pensionnés, l'ONA veut ainsi donner suite positive à vos doléances. Nous savons très bien que vous auriez bien souhaité vivre votre retraite différemment, c'est-à-dire avoir quelque chose à faire qui vous empêcherait de trop voir passer le temps. Aussi, sommes-nous heureux de vous annoncer l'exécution qui exerceront quotidiennement et garantiront les soins pour tous les retraités. Ce sera également un lieu de détente où les retraités pourront, pendant la journée, s'adonner à diverses activités culturelles ou autres. Pour étendre ce programme, des protocoles d'accord seront signés avec des hôpitaux, des centres de santé et de loisirs au niveau de tous les départements géographiques du pays, en vue d'offrir à tous les pensionnés un service de proximité d'une qualité certaine. Dans quelques semaines, j'aurai un dossier complet qu'il nous faudra aller porter et défendre. Vous le voyez, l'ONA est en mouvement. Nos projets sont encore nombreux. Leur réalisation sera, bien entendu, fonction des moyens à notre disposition. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur toute la force des membres du personnel, du palier décisionnel au plus bas échelon, pour vous apporter à la fois notre soutien. Nous, à l'ONA, nous croyons que cette noble tranche d'âge dans la vie d'une personne doit être synonyme d'attention et de tendresse. Mesdames, Messieurs, la préparation de cette fête a mobilisé beaucoup de compétences. La logistique, le protocole, le choix du menu, les boissons qui l'accompagnent, la programmation et l'organisation générale. Je veux remercier toutes celles et ceux qui, depuis plusieurs semaines, travaillent à l'organisation de cette journée pour en faire le moment que nous vivons aujourd'hui, en particulier, et UGP. La fête des pensionnés est un lieu, c'est un lieu privilégié pour échanger ainsi des idées, confronter prises et propositions.
préparer les luttes de demain. C'est nous arrivons dans la phase finale là, qui c'est concours Noël pour la paix qui n'a organisé en la troisième circonscription de Port-au-Prince. Comme nous connaissons une circonscription qui est malade sur les plans socio-économiques, sur les plans environnementaux, sur les plans infrastructurels et en matière de sécurité, tout, c'est une circonscription qui est tout à fait bouleversée. Et les bouleversements, ça va dans la troisième, on dit que c'est tout payant qui est bouleversé. Pour collaboration, toute jeune en la troisième, toute notable en la troisième. Donc c'est peut-être ça gagné ou ensemble des jeunes dans la troisième là qui regroupent yo autour d'une association qui est l'AJAC qui gagne ensemble des jeunes artistes dans les côté que yo t'ai organisé un festival pour la paix sur place Fontamara déjà. Donc deuxième phase là nous parle organiser finale concours Noël pour la paix ça. Donc c'est un moment moi même tant que député circonscription qui toujours accompagner jeunes yo dans toute activité sociale qui a rentré pendant la troisième là pour que me réunir avec aujourd'hui là pour nous annoncer toute population troisième là, toute zone qui est capable de dire qui c'est voisin troisième là, côté qui n'a invité toute population zone métropolitaine là, qui vient prendre part dans final concours Noël pour la paix ça, côté qui n'a pas des très grands artistes qui présents, sans compter ensemble des jeunes en troisième là qui va mettre tout ça en termes de talent en évidence et côté que nous va monter que troisième là gon l'autre image qu'elle veut vendre aujourd'hui là, contrairement à image négative qui toujours vend de l'extérieur par rapport à insécurité, instabilité qui gagne dans la troisième. Donc on l'autre fois encore, on a souhaité tout le monde bienvenue demain samedi dans la finale concours Noël ça, côté que l'ensemble des artistes que nous gagnons qui participent dans la finale ça. Donc on a quitté et Diego, l'ensemble des et membres comité au capable et énumérer non artistes pour nous. Donc on l'autre fois encore, on a bataille pour que 2019 là nous capables de déboucher sur une véritable paix en troisième là pendant que n'a demandé secteur privé là n'a demandé pour toute couche organisée dans ville nationale là a besoin jeunesse là encadrement qui au besoin par rapport à stabilité ça qui n'a poné en troisième là pour que nous capables de déboucher sur on la paix durable en troisième circonscription de Port-au-Prince cap aider nous faire travailler ça qui c'est mettre la paix. Et c'est avec ghetto yo, c'est avec jeune yo pour dire donc et c'est nous comme si qui représenter circonscription, c'est nous comme si qui pour porter aide nous bas circonscription faire développement, organiser des activités socioculturelles. Alors, c'est ça qui rôle nous et en dedans troisième circonscription. Et évidemment, ministère culture continuer et travailler là, bah c'est pas facile, mais n'a comme si kembeme final là c'est demain média yo et tout comme si instant comme si qui concerne yo n'attend nous. Et à 3h donc pour venir supporter aider nous faire la paix dans la troisième circonscription parce que c'est à travers dialogue, c'est à travers comme si tête ensemble, c'est à travers des activités socioculturelles pour nous vendre image troisième là. Évidemment les gens qui comme si a gagnant nous gagne 10 000 dollars pour lui, alors pour monde qui a première avec un frigidaire, monde qui a deuxième là nous gagne 50 000 gouttes, ça nous laisse 50 000 gouttes là, ok. Et mon cap deuxième là nous gagne 25 000 gouttes pour lui avec un TV. Et troisième là, nous gagne 15 000 gouttes. Mais il y a des primes et des consolations, tout ça, et après donc. Mais c'est toi gagnant, premier, deuxième, troisième. Okay? À tes plates là, sont vraiment un symbole pour nous dire un seul bagaille. Pour nous dire que grand crédit disponible et que taux d'intérêt est à tes plates. Ok. Qui j'en a tes plates là, pas oublier que taux d'intérêt actuellement dans l'autre institution financière, yo à 3-5% par mois. Mm-hmm. Nous même nous gagnons. À combien pour cent nous baillons? À 5% l'année. Okay. Ce qui veut dire que c'est vraiment à tes plates. Mm-hmm. C'est dans ce sens ça, nous inviter tout le monde pour yo venir à inscrire dans le programme, jouer une opportunité ça, parce que pas oublier ti machin, yo maman, papa nous, qui compte brasser la rue, qui compte chercher la vie dans la rue, leur besoin d'argent, gomba qui les ponya, c'est ça où te kon jwenn avant. Koun ya la ministère commerce mette programme en plat la pour moun sa ou te kon pran ponya, pour yo jwenn l'autre soulagement, pour yo jwenn l'autre façon pour yo débrouiller yo, pour c'est pas nan peser sous c'est pour yo et tout temps, pour yo jwenn un moyen pour yo capable défendre tête yo avec 5% l'année. 5% l'an font ça combien cob li gen la dan ministère? C'est un projet qui gagne qui sous 24 mois. 24 mois à raison de 1000 bénéficiaires par mois. Donc nous gagnons 1000 monde chaque mois qui bénéficient pour un prêt. Pas oublier son prêt lié, c'est pas un
et générer intérêt n'attend nous. Alors, qui chan pour faire pour gagner accès avec presse pour gagner accès après ya, ou gagner pour venir dans le ministère commerce ou bien reler le numéro non yo ou dire intéressé yo faut remplir un formulaire même si pas qu'on écrit yo remplir formulaire ensemble avec formulaire qui ça le besoin il besoin qu'on ait nom adresse ou qui est important pour nous parce que c'est par rapport à adresse ou n'a pas localiser pour nous connaître qui coopérative cap ka bon l'argent cap ka encadrer pour bon l'argent la mandel on témoin un monde qui ca certifié que effectivement mon dans zone là effectivement mon a fait ses activités économiques li et que le cap tout monde qui intéressé li font liste li dresser liste là li voyer le bail coopérative donc le voyer le bail coopérative pas les coopératives c'est eux même qui étaient déjà gagné en habitude et en tant qu'institution financière qui travaille avec peuple qui travaille dans la communauté yo. Donc c'est ça qui fait que ces coopératives ça justement qui gagne travail pour aller dans communauté yo monde que ministère commerce voyer bali yo pour l'identifier aller à l'adresse yo, et puis garder pour est-ce que mon capacité pour le payer et puis prêter là qui quantité le prêter mon ka prêter jusqu'à 50 000 gouttes ce qui veut dire que sous mon activité c'est 10 000 gouttes ou besoin bienvenue sous besoin 20 000 gouttes bienvenue sous besoin 30 000 gouttes bienvenue ou besoin 5 000 gouttes bienvenue mais sous besoin 60 000 gouttes non pas kaido parce que pi gros ça nous cabaille là c'est 60 000 gouttes donc c'est ça. Et est-ce que c'est ministère commerce qui peut être le garant parce que nous connaissons déjà coopérative dans zone côté là il y a un cadre réglementaire par eux pour fonctionner donc qui gens et nous même ministère commerce fait pour mon allemand des prêts dans coopérative qui tout prêt. C'est ministère commerce qui signe un protocole là avec coopérative de donc premier garant c'est ministère commerce parce que c'est lui même qui signe un protocole là. Mais pas oublier tout coopérative, il y a un portefeuille, il y a une manière de travail par yo, il y a une façon que eux même avec expérience que eux connaît qui gens prêt ça va revenir vers nous parce que l'autre préoccupation eux même pour eux gagner pour eux faire bah la continuer exister, c'est faire cycle capable produire. Donc coopérative avec manière méthode de travail déjà connaît qui gens pour eux faire pour comme ça capable revenir pour prêter l'autre monde. OK, sous premier groupe monde qui déjà bénéficie, qui j'en ont fait parce que ici puis gros problème et l'autre entreprise et de crédit yo pour yo bay moun son problème adresse. Qui j'en fait qu'on y a pour nous répertorier et identifier côté moun sa yoyé pour nous localiser parce que vraiment gen en pile problème adresse ici. Que n'importe où est-ce que dans ville de Bourgogne. Elle c'est ça qui fait moi dire que c'est coopérative qui a implémenté bay ça. Coopérative yo que gen problème adresse que pas un problème adresse, c'était toujours existé, c'était toujours fonctionné, c'était toujours fait des visites. Et visites ça c'est des bagages qui important pour coopérative là avant li bay prêt pour l'assurer que mon nom c'est une adresse salie et c'est ça que fait n'était pas de témoin avant que coopérative en place comme outil qui pour aider ou gain contrôle moun ça qui recevoir l'argent coopérative yo qu'on habitué fait travail ça déjà et yo te ba nous garantie que possibilité aller là yo même y a prendre des mesures pour capable faire suivi avec moun nan dans communauté maintenant c'est pour procédure là li simple pour tout citoyen haïtien que ou gain moun dehors que ou pas gain moun dehors nous pas au courant de ça nous au courant le son citoyen paraît li dit l'intéressé à programme tes plate là li montrer mais qui ça la fait comme activité économique et puis nous même nous fait suivi avec qui implication autorité locale yo non oui c'est très bien municipalité yo yo impliqué dans la mesure où yo même yo c'est premier porte d'entrée dans grande ville en ville yo c'est premier porte d'entrée pour nous donc yo même yo impliqué dans procédure là pour voyer où les abay ministère commerce ou ministère commerce fait suivi qui j'en nous permet de participer kazek magistrat yo c'est un seul procédure son citoyen qui débarque qui dit il besoin tel plan, il besoin tel prêt dans tel domaine lié mais qui j'en pourra ou. Justement moun sa yo tout c'est des moun que municipalité yo mer yo di yo mais gen un programme qui est important là, moi gen besoin dans telle ville, mais gen 5 citoyens, 10 citoyens, 20 citoyens et puis citoyen ça vini dans ministère commerce même procédure là. Citoyen vini, il dit mais qui activité l'a fait, il t'a remis un prêt. Finalement, c'est ça qui cause la tête plate là. Programme crédit à tes plates. Nous comprenons. Ou gain 2 ans pour payer, ou gain pour prêter jusqu'à 50 000 goudes. Ou besoin 5 000 goudes, vini demander à tes plates par là. N'a pas fait procédure, yo, n'a pas voué le vers coopérative qui dans zone ou en coopérative la fait suivi avec. T'as compris, moi, ce pari activité économique déjà, parce que disait pour le monde qui gain un petit bail, yo, commencé déjà. Comme si, même si la situation était toujours yé, pas gain crédit pour les start-up en Haïti. Non. Qui pas fait commerce, qui pas fait aucune autre activité, mais que t'as rien rentré et dans l'entrepreneuriat à partir de 50 000 goudes. Ça veut dire qu'il va faire demande là, j'en dis. Oui, il est capable de faire demande là. Mais j'en dis. Comment c'est comprendre? Oui, oui. Expliquez-nous. Au monde qui pas fait rien. Mon nom, qui intéressé soit Alvan Benazé. L'intéressé, lui montrer capacité pour le cas, remettre l'argent parce que pas oublier son prélier. Mon
ça l'a joindre support coopératif là pour commencer. OK. Son bagage qui est ouvert à tout le monde. Son bagage qui est ouvert à tout le monde. Que aux femmes, que aux garçons. Qui activité ou à faire, que le formel, que le pas formel, venez prendre crédit à tes plateformes. Même un numéro de téléphone, je m'a rappelé, et c'est à partir de numéro ça, l'orelé a bon information pour connaître qui côté pour venir remplir formulaire pour là, qui c'est 28 10 36 54. 28 10 36 33. Ma preprenne yo, c'est numéro ça yo qui est important pour nous noter, pour nous relayer, pour nous qu'il y ait accès avec programmateur plate là. Ma preprenne. 28 10 36 54. 28 10 36 71. 28 10 36 73. 28 10 36 33. Sur l'ensemble des résultats, qui ça qui passe? Sur les 3679 candidats qui participaient dans l'examen, gagnaient 733 qui réussissent. Ce qui représente un pourcentage de 19,92%. Gagnaient 1046 qui ajournaient, ce qui représente 28,43%. Et gagné 1900 qui échouaient, ce qui représente 51,64%. À chaque fois que nous avons organisé l'examen, nous toujours fait une analyse de ce qui est passé. Dans le nouvel candidat qui fait venir, nous avons recevoir 2627. Dans le résultat, il y a 679 qui passent. Par contre, dans le monde qui est censé recaler Libyo, nous te recevoir 1052, c'est 54 qui passaient, ce qui représente 5%. Nous allons comprendre ce qui a passé là-dedans. Et là, nous allons regarder notre question à journée ou bien encore échec total là, gagner 75% dans le récalé. Institution qui est en première position, gagne un score de 98%. 99,96%, ça va à peu près 98% de réussite. Et seul candidat que l'institution a gagné qui n'a pas passé, l'a ajourné. Et c'est l'École nationale des infirmières des CAI qui, en général, toujours occupé première place. Institution qui vient derrière fait 97%. Ça qui troisième nan fait 93,55%. Quatrième nan, li fait 67,53%. Cinquième nan, 64,29%. Sixième, 62,19%. Septième, 59,68%. Huitième, dixième, 55,56%. Et onzième, 50%. Ce qui bat nous, yon profil de ça qui passait dans la question examen. Mais nous gagnons en plus de ça, dans 72 ans, 13 institutions qui ont même ces 0% que vous faites ou pas gagner. Dans tout candidat, vous n'avez pas gagné qui passe. Là, nous continuons à analyser. Nous jouons que gagner des étudiants, par exemple, dans le bloc médico-chirurgical, qui fait 100% dans la question. Ça veut dire que qui fait 100% et gagne 7 étudiants. Nous gagnons tout. Dans le bloc santé communautaire, il y a une étudiante qui fait 100 sur 100. Dans le bloc materno-infantile, nous jouons deux étudiantes qui font 98 sur 100. Et dans le bloc santé mentale, nous avons deux étudiantes qui font 98 sur 100. En santé, ce n'est pas même bagaille que dans des blocs domaines, pour nous capter, mais pour que tout le bagaille passe. Et nous avons gagné une tendance à négocier tout le bagage. Ou bien que tout le bagage est traité dans la rue avec manifestation, avec bruit, avec revendication, etc. C'est bien qu'on revendique ça, on pense que revenons de droit, mais c'est un cas même dit son devoir moral et c'est même une question d'éthique que il y a des bagages qu'on aime qui n'ont pas à négocier. Fermer l'école, son décision, leur penser à lui-même, pour capitaliser, ça va être facile. Mais c'est nous, l'école, c'est pénaliser pour toute une équipe de monde que par exemple, fait effort, payer pour y aller apprendre nos métiers, non l'école que pas connaît que l'école n'a pas offert de monde, ça c'est mon âge cher. C'est pour ça qu'on va prendre une liste l'école qui est enregistrée.
ministère travaille avec eux non seulement sur qualité enseignement, sur curriculum enseignement, sur modalité examen et sur qui exigence que nous demandons pour nous réussir l'examen. C'est vraiment ça que nous processus d'accompagnement pour améliorer les résultats. L'école qui a fait performance zéro, si nous sommes intelligents, l'école est l'école en esprit, mais il y a des informations que nous allons demander. Et lorsqu'on achète un produit, on cherche une qualité de produit avant de mettre quoi pour la dedans. Donc si je dis à quelqu'un qui a l'esprit dans l'école infirmière, mon chef d'art chez Bonnet, l'école ça que pas l'esprit là-dedans, qui performance n'est pas pendant les 5 ou 10 dernières années en matière d'examen d'État. Et après, pour parler de mon moment, on dépend de la sélection presque naturelle qu'on fait. Il y a des écoles qui sont obligées de fermer parce qu'on n'a pas de distance. Parce que la difficulté à vous, c'est que nous obligés à jongler avec deux bagages. D'abord, les gens qui font l'école là sont entrepreneurs qui viennent l'école, donc qui ont participé à l'économie. Les gens qui viennent l'école là sont des gens, sont jeunes haïtiens ou haïtiennes qui, après baccalauréat, ont besoin d'apprendre un métier pour l'utile, être utile, famille et utile pays. Donc, l'objectif, ce n'est pas bloquer ni une ni l'autre de catégories, mais c'est rendre bagarre, je dirais, pour le la population, les gagner et tout, et que ni ministère les gagner parce que moins ou gagner pour courir des gens pour faire travailler, c'est plus choix qu'un temps pour faire notre bagage qui est plus important pour faire ou bien qui est nécessaire pour faire. Cette année, c'est vrai. Sur 69 étudiants, nous avons 67 réussis. Nous avons deux enfants qui sont à journée. Nous sommes satisfaites, nous sommes contentes, mais nous ne sommes pas étonnées parce que c'est le résultat d'un travail intense d'une équipe qualifiée et intense. Nous, je peux dire que c'est cinq années de travail parce que nous commençons à préparer les examens d'État Timoun aussitôt que les rentrer dans l'université en première année et nous continuons préparation ça jusqu'à ce que Timoun finisse dans les résultats dans les examens d'État. C'est plan stratégique, c'est toute préparation nous avons fait qui fait nous capables de gagner. Jusque 97% de réussite à année ça et nous sommes fiers et nous féliciter les étudiants, nous féliciter tous les autres membres de l'équipe qui ont travaillé. C'est sûr que nous travaillons dur, mais à la fin de la journée, nous avons satisfaction parce que nous avons les résultats. Pour nous réussir, pour nous capables de gagner un résultat, non seulement nous primer aspect théorique, là, mais nous primer tout aspect pratique, là, qui est ce stage. Là. Et bien, nous avons le ministère de la Santé publique qui est par le biais de la DFSS qui ban nous recommandations, nous suivre recommandations. Nous gagnons une quantité de stages pour nous bailler de première année jusqu'à quatrième année. Non seulement nous baillons, et parfois nous baillons beaucoup plus. Pour nous jeunes stagiaires, il n'y a pas un problème parce que une ASMO, c'est comment faire et comment bien faire. Donc là nous allons, nous rencontrer responsables stagiaires, nous planifier et nous évaluer besoin stage si moun nous et nous rassurer nous que si moun nous bien fait stage parce que il y a une grille d'évaluation qui là pour ça, il y a un objectif de stage et nous fait stage et si moun nous réussit aujourd'hui. N'a pas revendiqué tout que un relèvement salarial li appliqué pour tout enseignant ENIO parce que nous pas capable à exiger que gagne une éducation de qualité et que professeur qui fait l'école pour moun ki pral vinn enseignant jeune étudiant yo pas touché 15 000 goud. N'a exigé paiement arriéré de salaire pour enseignant qui travaille longtemps qui pas touché yo. N'a exigé un relèvement salarial, finalisation et adoption et application grille salaire là. N'a exigé tout adoption un salaire de base équilibré qui pour applicable dans budget 18-19 là, n'a exigé finalisation grille salaire là, relèvement salaire personnel éducatif là dans grille là, relèvement salaire cadre technique de administration centrale ministère, nous exigeons un ensemble d'avantages sociaux et économiques pour les travailleurs de l'éducation, nous exigeons que vous professionnalisez le métier d'enseignant, c'est-à-dire que l'État mette ressources pour que vous fassiez formation enseignant à l'initial, pour vous faire formation enseignant en continu. Nous exigeons que l'État mette disposition pour vous assainir environnement l'école publique tant que l'école privée, nous exigeons que vous construisez laboratoire et réfectoire dans toute l'école, nous exigeons que vous créez des lycées techniques et professionnels, que vous mettez en place un curriculum de formation technique et professionnelle, que vous mettez en place un baccalauréat technique et professionnel pour que les jeunes dans le pays soient capables de voir que l'État crée moyens pour que vous construisez l'avenir dans le pays.
connaît Cité Soleil. Et depuis l'année dernière, côté nous-mêmes, population, mais de quartier ou passé, ou après Jean, et belle tête qu'on y a, il parle encore. L'on a regardé pour eux, et même mon dans zone, exemple, qui compte par participation par eux, pour acheter une petite lumière, pour acheter fil, et ça, pas arrivé fait, parce que mon n'y a pas moi. Pour yo te ka di bon non seulement y a décoré la caillou, y a décoré zone yo tout. C'est ça que fait nous même dans population hein, et population connaît de nous avec l'autre ami tout pour acheter lumière, pour acheter Abdenouel, pour décorer zone yo. Et puis ça pas arrivé permettre parce que manque de moyens et et autrefois, source de motivation de nous gagner, nous baguer encore avant pile encouragement. Et nous, je bavine tellement dit, c'est des carrés venus d'Agonzan, mais qui pète carrément qui bat un petit monde pour lâcher soit des Noël ou bien le bas quelconque. Mais bah, tellement dit, nous venons obligés de réduire, sans des comptes faits, mais n'a fait quand même. Mais, et j'en ai compte fait là, m'a quoi là comme ça. Mais nous obligés par rapport à des difficultés à venir dans le pays, nous obligés de faire réduction de manière à ce que nous-mêmes, pour nous comme si gérer quelques activités. Wow. C'est originalité téléguinée.